Coucou, désolée, je reviens aujourd'hui. Hier, j'ai pas pu faire les calendriers parce que j'étais un peu malade. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire très vite. C'est exceptionnel. La journée d'hier, 3 et 4. Et promis, à partir de demain, on prend nos stories, nos calendriers comme d'habitude. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous insérer quelques stories pour que quand même la vidéo ne va pas durer que quelques minutes. Le L'Occitane, journée 3, c'était un gel douche. Et la journée 4, un shampoing. Donc ça, c'était le L'Occitane. Et on va passer à Adopt. Adopt Parfum, le 3, c'est un élastique. Et le 4, c'est un mini parfum. Voilà. Ça, c'est 3 Adopt Parfum. Et ça, c'est 4. Pour le Révolution, journée 3, c'est un lip gloss. Et la journée 4, c'est un highlighter. Voilà, franchement ça va, hein, leur calendrier, il est top, c'est juste son format qui est... Kiko, 3 c'est un pinceau yeux, et 4 c'est un vernis. Et on a toujours besoin des pinceaux comme ça, donc franchement, ils sont bien. Lucy Box, Steve Laurent, franchement le gloss il a l'air top, et un sérum pour la journée 4. Évidemment, mon frère. Franchement, j'adore. Sabon France. On a une crème. Franchement, leur packaging. Journée 3, une crème pour les mains. C'est quoi? Et là, c'est un gommage. Au citrus. Pour le Blissim, franchement, journée 3, c'est ce stick blush highlighter de Fenty Beauty. Full size. Et là, c'est un embellisseur pour les ongles, pour la brillance, etc. Franchement, ravi, mais vraiment. Benefit, 3, c'est une miniature de mascara, There's Real. Et pour la journée 4, c'est leur base, The Professional. Voilà. l'intégralité est sur YouTube de ce calendrier, si ça vous intéresse. Comme la journée 3, c'est un soin pour les yeux de la gamme génifique. Et pour le 4, miniature du mascara Monsieur Big. D'ailleurs, celui-là aussi, l'intégralité de son unboxing est sur mon YouTube, si ça vous intéresse aussi. Le Bourjois, la journée 3, c'est un eyeliner. Et la journée 4, c'est une brosse pour les sourcils. Voilà le contenu de ce calendrier aujourd'hui. Pour le Maybelline, la journée 3, c'est un vernis. Blanc nacre, et le 4 c'est un crayon kohl. Voilà, et n'oubliez pas le concours story de Maybelline. Ici la journée 3 c'est un rouge très beau. Ah là là là, le 4 c'est un bleu comme j'aime tellement ce genre de bleu. Donc les deux couleurs, je dis oui, franchement ravi. Pour le Armani, le 3 c'est une miniature du parfum C. Et le 4, c'est ce produit juste magnifique. Phare de Armani, c'est le fluide sublimateur. Franchement, j'adore ce produit. Je l'adore. Pour le Guerlain, le 3, c'est la miniature du magnifique parfum Cuir Beluga de la collection Art et Matière. Et le 4, c'est cette savonnette. Ah là là, ça sent tellement bon. Enfin, le Dior. Le 3, c'est miniature du parfum pour homme sauvage. Et le 4, c'est ce lip maximizer, là, le gloss qui fait un petit peu faire un peu de volume aux lèvres qu'on a eu l'année dernière. Petit bonjour. Oui, le matin, Najma qui fait les stories le matin. Je suis pas trop le story le matin. Là, j'ai un... Je vérifie mon maquillage tellement je suis en retard. J'ai un truc... Je bloque le son avec mon doigt, donc j'espère que vous m'avez entendu. Normalement, j'ai un truc à 10h. Il est moins 10. Là, je vais arriver à 10h30. Toujours en retard. Je vous montre après le look. Tout simple. Ah là là, j'ai mis un manteau court finalement. J'ai froid au popotin. Heureusement que ce sera à l'intérieur. Allez, à tout à l'heure. Je viens d'arriver, c'est le pop-up, voici. Je ne sais pas du tout ce qu'il y aura comme marque ou quoi que ce soit. On va découvrir ensemble.
je découvre avec lui. C'est des ateliers, etc. Plus il pleut. Je l'adore cette fille. Enlève ton masque, on va te voir. C'est un amour. Déjà, le reel là pour d'hier, c'est elle qui m'a filmé. Hein. Franchement, c'est un sucre cette fille. C'est un sucre. Ah, là, bon, il pleut, il fait froid. C'est pas beau. C'est bon, j'ai fini. Pardon. Excuse me. I make stories for my followers, my dear followers. Ok, que là. Je vais essayer de faire tout rapide. Oui. Les gens, des fois, ils me regardent. Je vais faire un tour rapide au. J'aime pas trop ce quartier. C'est pas très loin de République. J'aime pas trop, j'ai pas l'habitude. J'ai essayé de faire, je crois, de rentrer ou de direction un peu les magasins. On verra. Allez, je vous embrasse, je vous dis à tout. Les filles, dites-moi. Chaque fois, je viens l'essayer, ce métis noir. Qu'est-ce que vous en pensez? Je passe au bougie alors. Ce filtre. Celui-là, je crois pas que c'est sapin. Celui-là, c'est flocon normalement, d'après les odeurs. Hein. C'est pas biscuit. Ça, c'est sapin. Oh, j'ai pas biscuit. J'aime bien biscuit. J'aime pas trop sapin. Ouais, c'est un sapin, sapin. Déjà, normalement, c'est vert, donc c'est sapin. Hein. Mais bon, coton, j'aime bien. Déjà, c'est doré. Je crois que toutes celles, j'ai pas un qui est comme ça doré. Ah, voilà, magnifique. Ouais, voilà, trop belle. Franchement, ça va. Ça va. Pour du sapin, ça sent très bon. Et là, bouger parfumé, c'est pas ici que c'est écrit. C'était sapin, mais c'est ça. On va ouvrir la deuxième. Ça c'est quoi? Ça sent le propre. Je vais la brûler maintenant. Bleu. Oh là là, oula. L'odeur qui sort là. Ah là là, pourquoi je peux pas vous transférer les odeurs par story? J'adore. Je cherche le briquet. Oh là là. Moi, les odeurs, lorsque je trouve un coup de cœur odeur, je vous jure, ça me fait les beautés.
Et ça, je viens de... Donc, c'est flocons snowflake, c'est ça. La boîte. Je brûle bien, parce que l'autre, je vais l'offrir. Je ne vais pas la brûler. Mes autres bougies diptyques. Ici, désolée, je n'aurai pas le temps pour un autre unboxing. Je veux vraiment, c'est tellement beau. Je voulais faire ça, mais là, ce que je vais faire, pour mes... je rallume en cachette. Petit là, c'est le dernier que j'ai en plus. Non, sérieux. Puis j'ai une plaque. Ah voilà. Est-ce que j'ai des alarmettes? Que j'ai un autre. Pourquoi je vais... je vais chercher un briquet là ou des alus. Afternoon, I'm still sleeping off the party. Ooh.